Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour. Nous sommes donc début mai, les pelouses sont en plein développement et peut-être avez-vous remarqué l'installation de la mousse au fil des années de manière progressive dans votre beau gazon. Nous allons dans un premier temps explorer quels sont les facteurs favorables à l'installation et au développement de cette mousse et ensuite envisager les méthodes de lutte afin de vous garantir un beau gazon. La mousse se développe assez peu dans les gazons qui présentent une vigueur suffisante. Son apparition est souvent la conséquence d'une combinaison de facteurs, une exposition ombragée, un sol trop compact, une humidité excessive, une fertilisation mal contrôlée et enfin un mauvais entretien, des tontes trop rases par exemple ou trop hautes. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il est inutile d'entreprendre une lutte acharnée contre la mousse si l'on n'intervient pas d'abord sur les facteurs que je viens d'évoquer. En fait, avant d'envisager les solutions lourdes, certaines opérations simples limitent l'apparition de la mousse. La scarification, à limiter néanmoins sur les gazons qui ont tendance à être un peu creux. L'aération pour assurer le décompactage. Le regarnissage du gazon, bien entendu. La fertilisation régulière et raisonnée, sans à-coups. Si vous devez traiter, il y a un produit qu'il faut éviter à tout prix, c'est le sulfate de fer. Son action est certes rapide, mais de courte durée. En plus, le sulfate de fer acidifie le sol et le rend encore plus propice à l'installation de la mousse. On rentre donc dans un cercle vicieux. Le cyanamide de calcium se révèle tout à fait efficace sous certaines conditions, plutôt par temps doux et humide, notamment au printemps et en automne. Avant de vous parler d'une substance comme celle-là, j'ai à cœur évidemment de vérifier si le produit est toujours d'actualité en termes d'autorisation légale. Je vais donc vérifier sur le site IFI, je vous donnerai le lien dans la description de la vidéo. Il s'agit en fait de l'index phytosanitaire que l'on a connu autrefois, il est aujourd'hui numérisé, bien plus pratique d'ailleurs à utiliser que le bouquin qu'on a connu il y a quelques années, et qui permet donc de vérifier eh bien, si telle ou telle substance est encore sur le marché ou si elle en est retirée. Et là, surprise, je constate que le cyanamide de chaux n'est plus autorisé. Je me rappelle pourtant avoir cherché cyanamide de chaux dans Google juste avant et m'être aperçu qu'il était proposé dans diverses jardineries. Alors là, on a un problème. Je me retrouve avec un produit qui est effectivement distribué par les grandes enseignes, d'une part, et d'autre part, le même produit qui est signalé comme étant retiré du marché sur le site IFI. Il y a de quoi s'arracher les cheveux. Oui, bon, ben, pour moi, c'est déjà fait. Et en fait, en cherchant un peu, j'ai trouvé sur cette page l'explication, c'est simplement que le cyanamide de chaux n'est plus autorisé aujourd'hui comme anti-mousse. Il demeure utilisable comme engrais, notamment pour le gazon. En revanche, il n'est plus possible aujourd'hui d'estampiller anti-mousse sur les sacs de cyanamide de calcium. On a affaire ici à une bizarrerie, une hypocrisie de l'administration selon laquelle ce produit ne peut plus être utilisé comme anti-mousse. Néanmoins, il est toujours possible de l'employer largement sur le gazon. Alors attention, si le cyanamide de chaux est effectivement efficace, il présente néanmoins un certain nombre de contre-indications, notamment en proximité des plans d'eau, pensez-y si vous avez un bassin dans le jardin. En outre, sa manutention et son épandage nécessitent d'être équipés de protections particulières. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à faire le point sur la question de la mousse dans le gazon. En guise de conclusion, je vous invite vraiment à d'abord faire le point sur votre contexte avant d'envisager un quelconque traitement. Je vous remercie de m'avoir suivi cette fois encore et je vous donne rendez-vous à très bientôt au potager qui dit non.